très heureux de retrouver les équipes de la NAP. C'est un temps d'échange opérationnel à la rentrée autour, ça je pense c'est vraiment l'intérêt de ces journées, autour de projets de conduite du changement, de bonnes pratiques issues du terrain. On est vraiment dans la révolution de la territorialité avec la mise en opérationnalité des groupements hospitaliers de territoire. L'objectif, c'est de recomposer l'offre publique en l'ouvrant sur les parcours de prise en charge des patients, le dialogue avec l'offre privée, la médecine de ville, les représentants des usagers. Je pense que la NAP a un rôle à jouer pour nous aider à mener ce changement. Les représentants des usagers, par construction, c'est pour eux qu'on travaille. Nous sommes là pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients dans le système de soins. La territorialité vise à ça. Et il faut que dans toutes les manifestations que nous organisons, la NAP, la Fédération Hospitalière de France, les acteurs, les usagers aient toute leur place. L'avantage et un des intérêts de ce format des universités d'été de la NAP, c'est que d'une certaine manière, les professionnels viennent y apporter leurs expériences. C'est en ça que la NAP, qui doit aussi être au service des projets des établissements et des fédérations qui les accompagnent, peut amener sa valeur ajoutée dans le changement du système de santé.